C'est le pire cadrage de ma vie. Tout blanc là. T'as la chance, je filme jamais entre les prises en principe. Dans ma gueule, c'est pas filmé là? Si, là, si, si. Et j'ai pris dans ma gueule, alors j'ai mal à l'épaule. Okay, il y a surtout une centaine de potes qui tiennent. Ah, je pense, ouais, facile. Facile. Ouais, facile. Saleté de pluie. Hein ? Saleté de pluie. Bonjour, Camille Léo, président des Espadons de football américain de Saint-Nazaire. Joueur aussi, joueur de football américain, joueur de flag. Tristan Meunier, donc secrétaire des Espadons du SNEFAC de Saint-Nazaire. Donc je suis secrétaire membre du bureau et puis joueur aussi dans l'équipe senior, tout simplement. Ouais. Tout d'abord, le club a été créé en juin 2012. La saison a commencé en septembre 2012. On a commencé par s'inscrire en flag football, en tournoi indoor et après en tournoi arena. Oui. Sur le département du 44. Tristan, pour cette année, les objectifs? Donc les objectifs du club, donc cette année, c'est donc on a restructuré alors, premièrement le bureau du club pour pouvoir avoir une meilleure organisation. Ouais. On a élaboré une entente sur pour s'inscrire en fait en championnat cette année avec les Essex de Basse-Glen, donc les Espox. Donc on est inscrit en championnat des 4 avec eux cette année. Ouais, donc en entente. En entente, voilà. Allez les gars, allez Pistel, allez. On a recruté un coach également. C'était notre bras. Ouais. Donc après les objectifs de la saison, bah, c'est de faire nos premiers pas en championnat, de faire découvrir ce qu'est le football américain aux novices. Alors cette année, c'est beaucoup de licenciés déjà, en premier lieu. Des bénévoles,
que ce soit en tant qu'arbitre, sponsor, bénévole pour les matchs, pour les tournois. Et on recherche aussi des entraîneurs. On peut avoir de l'expérience ou des anciens joueurs qui peuvent avoir l'envie de vouloir coacher. On est preneur. Des mécènes. On prend tout. Ok, bah merci les gars. Couvert, gars.